Bonjour à toutes et à tous. Le confinement a déterminé une distance qui pourrait être dommageable sur les plans pédagogiques et personnels. On peut vivre cette distance en s'y soumettant, en la subissant, mais on peut saisir là l'occasion de se rappeler qu'une distance physique n'est pas une distance sociale. Les cours sont maintenus au créneau qui était fixé lorsque le présentiel était encore possible. Mais surtout, le contact individuel peut être privilégié pour des difficultés d'ordre personnel rencontrées ou des difficultés d'ordre pédagogique. Dans ces circonstances exceptionnelles, la FLSH a saisi l'opportunité de rappeler que le suivi personnalisé des étudiants reste le maître mot qui garantit le sérieux de la formation. Si l'assiduité ou le travail personnel restent des éléments cruciaux, je pense qu'il faut aussi préserver des moments de loisirs, de détente, une certaine forme de convivialité. Alors bouger, danser, chanter, rire, autant d'éléments indispensables à la réussite et à l'épanouissement.